Bonjour à tous, ce matin à Colombo, ici sur cette Golfers Green, le pape François a retrouvé la communauté catholique. On parle d'un demi-million de personnes présentes ici pour la messe de canonisation de Saint Joseph Vaz. Bien sûr, les catholiques ont été probablement rejoints par des croyants d'autres religions. À l'enthousiasme, la joie manifestée lors du passage de la Papa Mobile, eh bien, la prière s'est installée sur cette place pour la messe de canonisation. Saint Joseph Vaz, c'est un missionnaire oratorien. Il a débarqué ici en 1686 sur ces plages alors que les Hollandais calvinistes persécutaient les catholiques. Dans la nuit, dans le secret, le père Joseph Vaz allait à la rencontre des fidèles jusqu'en 1711 où il est mort d'épuisement. Un 16 janvier, le 16 janvier qui est désormais la date de la fête liturgique de Saint Joseph Vaz. Ses efforts ont donné une force spirituelle et morale aux catholiques du Sri Lanka au point que les Sri Lankais le considèrent comme l'un des leurs. Lui qui est originaire de Goa, c'est donc le premier saint Sri Lankais, c'est ce que nous explique le père Dara. He knew that he could not preach the gospel to our people without knowing the languages. So he made efforts to learn both Sinhala and Tamil, and also he was close to culture. The people loved him. So we found though he was born in Goa, like he was like a Sri Lankan son, and he was very much close to the people. Although the majority of the people were Buddhist, he had a very good rapport with them. And also with the Hindus. So therefore we find he was a real model. He was in harmony with the others and he preached the gospel not only through his word but through his life example. Saint Joseph Vaz est un maître et un exemple, a dit le pape François dans son homélie, en anglais, traduite en cingalais, puis en tamoul. Un exemple de prêtre, plein de zèle, missionnaire. Il a su dépasser les divisions religieuses pour le service de la paix, déjà à l'époque. L'occasion pour le pape François de rappeler à la suite de Saint Joseph Vaz les services que l'Église rend ici à travers les écoles, les hôpitaux, les cliniques, sans distinction de race, ni de religion, ou encore de conditions sociales. L'Église ne demande rien d'autre que d'accomplir sa mission. La liberté religieuse est un droit humain fondamental. Voilà donc le pape qui vient soutenir, encourager l'Église catholique ici, mais qui vient également prier pour elle. I pray that following the example of Saint Joseph Vaz, the Christians of this country might be confirmed in the faith and make an ever greater contribution to peace, justice, and reconciliation in Sri Lankan society. This is what Christ asks of you. This is what Saint Joseph teaches you. This is what the Church needs of you. Dans l'après-midi, le pape François s'est envolé pour le sanctuaire Notre-Dame de Madou au nord du pays, un lieu de pèlerinage qui est cher à tous les Sri Lankais. Bien sûr, vous pouvez retrouver ce deuxième voyage du pape en Asie, le septième voyage international, sur KTO et sur le site internet de KTO.